Open Education is a global movement that aims to bring quality education to teachers and students everywhere. The basic idea is to put top-notch learning materials on the web that anyone can access for free. You see, unlike textbooks, open ed resources can always be revised, so they're never out of date. La caractéristique d'un OER, c'est de pouvoir être réutilisé. Ça veut dire que n'importe qui dans le monde, enseignant ou apprenant, peut exploiter cette ressource. Deuxième caractéristique, c'est de pouvoir être redistribué. Ça veut dire que cette ressource pourra être déposée sur n'importe quel site web dans le monde et accessible très largement. La troisième caractéristique, c'est de pouvoir être modifié. Concrètement, ça veut dire que certaines ressources vont pouvoir être adaptées aux besoins spécifiques de l'enseignant. Le contenu est accessible à tous à travers Internet. Le fait que ce soit une transmission universelle, donc au lieu de créer un cours uniquement pour une classe pendant quelques années, on le crée vraiment pour le monde entier. Ici au Clinique Saint-Luc, au moins une vingtaine de médecins se sont mobilisés ces dernières années pour produire un cours en open access, en open education, et leur enthousiasme pendant toutes ces années n'a pas tari. Ça permet aux étudiants de s'approprier la matière et de faire des améliorations au niveau du contenu, que ce soit les exercices, les syllabus. Concrètement, je vois trois avantages. Le premier, c'est l'aspect très moderne du concept. Le deuxième, c'est la permanence de l'accès. Les médecins peuvent toujours accéder à cette information pour guider leurs décisions. Et enfin, beaucoup ont été enthousiastes de fournir à des pays qui n'ont pas les moyens cette information médicale de pointe. Cette transmission est libre et gratuite, c'est très important pour moi. Pour les enseignants, rendez-vous sur le site oer.uclouvain.be. Identifiez-vous, cliquez ensuite sur le bouton Start a new submission et remplissez le formulaire. Pour trouver des ressources éducatives libres, vous pouvez vous rendre également sur la plateforme oer.uclouvain.be. Tapez vos mots-clés dans l'onglet Recherche et découvrez les multiples ressources s'y rapportant. D'autres plateformes existent, comme oercommons.org ou merlot.org.